Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre magnifique parce que nous sommes en Thaïlande avec Chris, Dooms, le rhinocéros blanc. Il broute les herbes et les broussailles dans les savanes africaines. Et on est avec Sora! Eh, hey, ça va les potes ou quoi? Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qui est super cool. Nous avons une liste de choses à faire et nous allons devoir être sur un transat, manger des fruits, je sais pas sûr, aller mater des gros. Comme on est en Thaïlande, je voulais un concept qui nous permette de rire mais aussi de visiter un petit peu la Thaïlande avec nous. On a une liste de petits défis à faire. Vous allez voir des trucs super simples. On a des endroits où on va devoir aller, des photos qu'on va devoir prendre, des trucs qu'on va aller devoir manger. Pour chaque action réalisée, on a un nombre de points gagnés. On a 2 heures pour faire toutes ces actions. Le premier groupe qui rentre à la villa et qui a fait le plus d'actions, donc qui a le plus de points, a gagné. Il va falloir prendre une photo avec un Thaïlandais. Ça, c'est 2 points. Vraiment. Il faut aller acheter un souvenir dans une boutique. Un souvenir traditionnel. Des baguettes, des petits éléphants, des trucs comme ça. Il faut aller manger un Khao Nao Mamwang. Oh putain, bon courage. Il va falloir aller à Big Buddha. Il faut prendre une photo pour avoir une preuve. Il faudra faire une grosse bombe dans la piscine. Et dernier défi, il faudra revenir ici et s'enterrer dans le sable. Bon, j'espère que vous avez compris le concept, donc bah c'est parti. Je lance le chrono à partir de maintenant. On a 2 heures. Salut mec. À tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils vont... Ils vont retourner à la villa. J'ai l'impression qu'ils nous suivent. On va les suivre. Ouais. Il va falloir qu'on se sépare, à un moment donné, faut qu'on les sème. Les filles, regardez. Mais genre, elle y va comme si elle savait où elle allait. Ouais, c'est très suspect ça. Elle sait très bien où elle va. Elle a fait des repérages hier soir. En fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement nuls qu'ils vont pas vouloir être tout seuls. Ouais, je sais pas à quoi ressemblent les taxis, donc je vais faire des signes à des voitures en général. Mais par contre, je sais pas du tout où on va. Hein. Moi non plus. Je les suis. Je sais pas qu'on retourne dans la villa et qu'on fasse les trucs les plus simples. Attends, on peut quand même acheter un souvenir. C'est encore derrière. Ils se cachent, ils nous ont pas vus. Oh putain. On les suit, mais ils nous voient pas. Non, on est bien cachés. Ouais. Là, impossible d'être repéré. Ah oui, ils sont derrière, ils croient qu'on les voit pas. Ils sont un peu cons. Hein. En tout cas, petite balade au soleil, sous 50 degrés, c'est cool quoi. Mais Flavie, on sait vraiment pas où on va là. Mais non, mais je trouve ça très étrange qu'ils soient aussi sûrs d'eux. Mais donc là, c'est plus sur une espèce d'enquête, une investigation, que sur un jeu là. Ah oui, c'est vrai. Mais on joue pas à Cluedo. En fait, ce qui me bute, c'est que eux se disent sûrement, ils savent ce qu'ils font, Emma, elle connaît un peu la Thaïlande. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et ils ont pas la spécialité ici? Khao Nao Mamwang. On va jamais trouver ça. On va jamais trouver ça. Taxi. Let's go. Let's go, let's go. Vite, avant qu'ils nous voient monter. We want to go to Big Buddha. Yes. Thank you. Ça se trouve, ils nous ont pas vu monter. Les gars, là, on prend l'avance. Oh, regarde, la porte, là. Ah ouais, c'est magnifique. Look at that. Okay. Oh, il est juste là, Big Buddha. On est déjà arrivé à Big Buddha. Déjà arrivé, c'était juste à côté. Oh, il y a des trucs magnifiques. Je veux un chapeau en fait. Oh, regardez, c'est magnifique. Parce qu'à la base, on est aussi là pour vous faire voyager. Des petits chats. Où ça? Là, un chat, 2 chats. Oh, ouais, Little Cat. Oh, trop mignon. Hello. Comment ça va toi? Oh, regardez, Emma, elle a pris un autre Little Cat là-bas. Wesh, Spider-Man, il est en détente. Alors, depuis tout le temps, il était là? Ah, le petit con! Il était là pendant que tout le monde se battait contre Thanos là. Bah, ouais, il était là. Il était à Koh Samui en détente. Du coup, on arrive à ce qu'on appelle Big Buddha et c'est un Big Buddha en or. Look that Big Buddha. Je sais pas où sont Dooms et Sora, je me demande ce qu'il prend. Je pense qu'il cherche encore un taxi. Wow! Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Mon ref, descends de là! Tout va bien se passer, descends! Ah, c'est un mannequin, c'est un mannequin! Descends, mec, descends! Ah, c'est un mannequin! Ça va, t'es pas obligé de faire ça! Il fera rien, c'est un mannequin, c'est un mannequin, ça va! Oh le con, mais c'est un mannequin! Non, t'inquiète, tout le monde s'y méprend! Oh le con, mais j'ai cru que c'était un gars! J'ai eu peur pour lui! Ok! Bon, vous êtes très mal cadré, mais bon. Ok. Nickel, c'était magnifique. Première épreuve réussie. Prochaine épreuve, Emma, est-ce qu'on prend un truc de souvenir ici? Oui, je pense que c'est une bonne idée pour gagner du temps. On va acheter un souvenir ici. Est-ce qu'on prend une photo avec un Thaïlandais ici aussi? Ouais, en fait, je pense que ici, c'est le meilleur spot pour tout faire. Bon, bah écoute, ça se passe pas trop mal, hein. Pourquoi y a jamais des missions genre se faire masser, prendre du plaisir, kiffer un peu? Y a pas ça, y a jamais ça. Non, mais jamais on trouvera un souvenir ici, frère. Bah, Koh Samui, c'est connu, hein. Y a des trucs trop beaux. Hein. Emma est en train d'acheter un souvenir, elle est là-bas. Du coup, en gros, une fois qu'on aura le souvenir, on aura pas mal d'avance. Et je pense qu'en vrai, on peut avoir fini, mais largement dans moins de 2 heures. Je pense que vraiment, je pense que le plus dur là, ça va être de trouver la spécialité thaïlandaise. Mais je pense, mais sinon, à part le reste, je suis à ça de m'acheter une glace en fait. Hein. Une little ice cream. Hein. Mais attends, c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment elle a pu arriver là? Mais qu'est-ce qu'on a? C'est un mannequin, elle est pas vivante. Ah, c'est un mannequin! Putain! Mais on pourrait s'y méprendre, hein? Ouais. Écoutez-moi, j'ai tellement soif que là, genre, je pourrais vous tuer vous-même. Si vous me croisez dans la rue, là, j'ai tellement soif que vraiment, je vous agresse avec votre bouteille d'eau et je me le verse sur tout le corps. Comment c'est possible qu'il fasse aussi chaud dans un pays pareil? De l'eau. Ah. On rentre? Ouais. On a quand même abandonné très vite, hein? Ouais, c'est vrai. Eh, mais on peut demander à la propriétaire de la villa de faire une photo? Oui. Magnifique, c'est parfait. Hello! Et I have a question for you. Take a photo with me. Be aware! Yes! So cool! Yeah, that's it! That's it!
You are so cool, thank you. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la dame de la maison. Oui, c'est la dame qui s'occupe de la villa, en fait. C'est celle qui se propriétaire, en fait. Je cherche un chapeau de paille. Je cherche de l'eau. Ah oui, mais il y a un truc de glace, là. Il y a de l'eau, sûrement. Vu qu'on a un peu d'avance, on va aller boire un petit peu d'eau. Thank you. Bye. Ok, bah du coup, moi j'ai trouvé un chapeau. Notez ma beauté sur 10, s'il vous plaît, dans les commentaires. On a une mission de réussite. Viens, je t'enferme dans le sable, ça fait 3 points faciles. Ouais, on va faire ça, les frères, je pensais à un truc pour le Big Bouddha. On essaye de le trouver sur internet et on prend une photo selon le cadre. Avec et le Mac. Ouais. Ou alors on télécharge une image, on le met sur une clé USB et on le met sur la télé. Genre, on y était. Vas-y, trop bien. Sur la télé en grand plan et tout. Vas-y. Moi, je vais vous montrer le petit souvenir que j'ai acheté. Il n'y avait pas énormément de choix. J'ai acheté. Oh, Little Buddha. Oh non, Little Buddha, trop mignon. Il n'est pas trop beau, mon Big Buddha. On va le mettre à la maison. Donc, là, pour résumer, on a un souvenir. On est à la Big Buddha. Donc, on a déjà 4. On a 6 points. Moi, j'ai chopé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Donc, ça, je pense que c'est au moins 30 points. Ok. Faut prendre une photo avec un Thaïlandais. Bah, sinon, on prend avec le chauffeur de taxi. Prends une photo avec lui et on rentre à la villa. Incroyable. Le chauffeur nous attendait. C'est un amour, en fait. It's possible to take a picture with you? Yeah. Ok. Tu veux que je fasse? With you? Yes. It's okay. Thank you. Perfect. Thank you. Incroyable. C'est un amour. J'ai jamais vu quelqu'un comme ce gentil, en fait. Je suis même content d'avoir une photo avec lui, en fait. Bon, je vais me poser là en attendant qu'il change. Ça va, en fait. Je pensais que ça allait être compliqué comme vidéo. Pour l'instant, ça va. Je suis bien. Je vais regarder ce qui se passe sur Insta. Oh, les gars. Si on gagne pas, je comprends pas. Je pense qu'ils vont à Bouddha à pied, les autres. Je pense qu'ils sont encore dans la piscine, actuellement. Ils ont décidé d'abandonner l'aventure. Pour être honnête, je pense même exactement. Ils ont abandonné d'avant et en fait, ils font juste de la merde. J'aurais bien aimé qu'on mange le fameux truc que j'ai dit. Donc dans les restos à côté, tu m'as dit qu'il fallait pas. Non, il y a pas. Alors peut-être plus par là-bas. J'ai vu des trucs de bouffe en fait sur la route ici. Le Green Leaf. C'est trop classe pour qui est-ce qu'on cherche. Ouais, c'est un resto trop classe. Tu peux lui demander qu'on cherche. Ouais. Un do you do Kao Nao Mamuang? Yes. Oh, great. It's possible. Incroyable, ils le font. Oh, je suis vraiment le big boss de l'aventure en fait. Non, il y a pas de dinosaure. J'aimerais beaucoup, j'adore. Wow. Mais... Je remercie Seigneur d'avoir un cul. Oh la vache, comment mon cul l'a réceptionné. Oh c'est trop, c'est trop. Ah, je vais avoir un bleu sa mère énorme. Oh salut toi. What the fuck, mais Little Dog. You are beautiful Little Dog. Il est incroyable. C'est un saucisson yuski, une espèce très rare. Viens par là Little Dog. Viens par ici Little Dog. Et je fais quoi? Bah rien, tu t'allonges. Allonge-toi. Mais tu fous quoi là? Voilà. Tiens, prends la caméra maintenant. On tourne un porno ou quoi là? Ta gueule. On va pouvoir déguster parce qu'apparemment c'est une spécialité thaïlandaise. Je sais pas si c'est une spécialité de Koh Samui ou thaïlandais généralement. Mais du coup vous allez avoir droit à une petite session de dégustation. Thank you. Wow. Alors ça c'est magnifique. Alors normalement c'est du riz sucré avec de la mangue. Et ça c'est une petite sauce. Mais en fait je pense que c'est du lait chaud. Mais je sais pas si c'est... Je pense que c'est du lait de coco. Je sais pas comment est-ce qu'on fait. J'en mets un peu partout. On verra, comme en France. C'est très très bon. En fait, c'est un dessert qui se mange chaud, je pense. Enfin, leur mangue, elle est vraiment trop bonne. Ah, mais attends, on aura pas assez de sable, là, si? Mais non. Mais si, t'inquiète, t'es gros yep, là. Frère, on va passer pour des gens trop bizarres. Là, on passe au plus gros, là. On aurait peut-être dû se mettre de l'autre côté pour pas être en contre-jour. Bah, venir, il y a la police qui va arriver. Ils vont pas comprendre. Tout va bien, je suis consentante. Il faut qu'on voit plus ton corps. Ouais bah attends, ça va, deux secondes hein. Non, balance pas trop, il y a mes petites oreilles. Oui t'inquiète. Ok, ce côté là, il est incroyable. Attends, je reviens, j'ai juste me laver les mains. Non. Mais c'est deux secondes, j'arrive. Non. J'arrive. Max. J'arrive. À la vie de ma mère. Mais juste là. Je me rase juste là pour la caméra. J'ai un peu l'impression de manger en dîner romantique avec vous. Petite musique mignonne, cadre sympa. Bah c'est chaud là. Bah non. J'arrive. Dépêche-toi. Mais j'arrive. On va aller payer et maintenant direction la villa pour aller s'enterrer dans le sable, faire le plongeon et on a terminé. Ça va ou pas? Faut qu'on se dépêche, frère. J'arrive. Eh, hey, c'est beaucoup de travail, hein. Prends pas compte, hein. J'aurais bien voulu être à ta place, moi. Regarde-moi.
La mission est un succès. Ce qu'on va faire maintenant, on va télécharger une photo du Bouddha là, on va la mettre sur la télé et on va faire comme si on y était. Ils n'y verront que du feu. À aucun moment ils vont remarquer la supercherie. Si on met Bouddha sur cette télé, je pense qu'on voit pas la supercherie. Alors Bouddha Koh Samui. Mettre les mains sur la télé. On est des génies. On est des génies. On est trop. Et nous voilà au. Après, si on zoome un peu, ça va. En vrai, sur un angle, on va voir. Non. Non. Je vais retourner à la phase 1 du plan. Si on met juste la main. Mais ça marchera pas. Je vais essayer de prendre une photo, mais en plus grande. Ok, attends, moi, je devrais pouvoir trouver un truc. Fais-moi confiance, je suis sur le coup. J'entends du boucan. Est-ce que nos deux amis seraient encore à la villa? En vrai, je ne pense pas. Je l'espère, en tout cas. C'est eux? Ou pas? Oh, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-les voler. On est trop cons, on a pris trop de temps, on est des grosses merdes. Ils vont sûrement aller sur la plage enterrée. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils ont enterré Dooms ici même. Je pense que c'est la première chose qu'ils ont fait. Ça se voit, mais à des kilomètres. Il y a une bosse. Et la bosse est petite. Une petite bosse, ça peut être que Dooms. Ils ont acheté un souvenir, ils ont acheté un chapeau. On n'a pas acheté de souvenir. Mais je t'ai dit. Putain de merde. Prends la caméra. Allez. De merde, j'arrive pas. Ils vont tout capter alors qu'on était si près du but. J'ai pris une grande photo là. Normalement, il y a une grande photo. Attends, elle est où? Elle s'est pas enregistrée? Mais pourquoi c'est pas enregistré? Je sais pas. Mais pourquoi? Elle est pas au bon format. Tu sais quoi? On va faire le truc que t'as fait avec les doigts. Qu'est-ce que... Non, mais je pense qu'ils nous verront pas là. Chut. Moi, je vous pose là. Je crois qu'ils nous cherchent. Mais ils ont pas à nous chercher. Attends, il fait des plans. Je sais pas ce qu'ils filment. Ils font sûrement la bombe. Non, ils filment un truc bizarre. Hein? Quoi? Ils nous cherchent. Mais de la crème solaire. C'est vrai que j'ai cramé du visage. Je sais pas si je vous l'avais dit. Et du coup, on n'est jamais trop prudent. Vaut mieux mettre un peu de crème que devenir une merguez. Souvenez-vous de cette phrase parce que je trouve que souvent, beaucoup de gens l'oublient alors qu'en vrai, c'est réel, tu vois. Il y a le reflet. Il y a pas de reflet là. Attends. Il y a moins de reflets. Je la prends comme ça. Et on fait comme si on arrivait en courant. Je vais courir devant toi. Tu joues ton meilleur jeu d'acteur dans quelques secondes, d'accord? Genre, ça n'a pas de sens, j'étais dehors en même temps. Ils vont pas remarquer, ils vont pas faire attention. Ok, 1, 2, 3. Allez, un peu vite. Allez. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, on remplit les objectifs, on va sur notre dernière mission. Tant vous mieux. Êtes allé à Big Buddha. Bah ok, ça va alors. Maintenant, on va faire notre bombe dans la piscine, c'est bon. Bah tant mieux, allez, viens. Comment c'est un gros menteur. Et vous alors, comment c'est passé? Ça va. Donc comme tu peux voir, ils ont planté Dooms ici. Ah oui, bah tu sais quoi, on va réutiliser le même endroit. Exactement. On va juste l'agrandir. Le chien, le meilleur ami de l'homme, les espèces humaines et canines, semble presque indissociable. La place du chien a depuis longtemps dépassé celle d'un simple animal. Mais dépêche-toi! Mais attends, je m'attache les cheveux! Fais la bombe! Sérieux, t'aurais pu plonger habillé! Frère, fais ta bombe là! C'est bon ça? C'est bah non! Une nouvelle image des chiens apparaît. Leur sens exceptionnel et leur formidable faculté d'adaptation à l'homme permettent de tisser des liens toujours plus étroits avec nous. Les chiens nous sont si familiers qu'on en oublierait presque combien ils peuvent être fascinants. Mais pourquoi on a l'air si con? Et je pense que c'est plus simple que tu prends tout le sable, tu le mets direct sur moi! Ils nous prennent pour des débiles, je crois, là-bas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de s'enterrer dans le sable! Je regrette un peu, je crois. Je meurs. Oui, tu meurs. On meurt tous un jour, hein. Je pense que c'est bon, on peut dire qu'on a gagné, là. Attends, je vais te filmer. Et voilà, mission accomplie, Emma est dans le sable. Maintenant, faut que tu me sortes de là, Chris. Ok, bon, allez, la suite. Bravo. Ah, j'ai dû nous emmener. Ah, ça pique. On a peut-être le temps de refaire la photo, du coup. C'est quoi? On a peut-être le temps de refaire la photo. Je vois rien. Ok, Emma, à trois, t'y vas. 1, 2, 3. Elle est trop nulle ta bombe, faut que tu te mettes en bombe. Elle se noie. Mais elle est nulle ta bombe. Vite, dépêche-toi, vite. Monte par là, mais dépêche-toi. On trouve quelque chose de traditionnel ici, on dit qu'on l'a acheté. Il y a forcément une babiole. Regarde, ça. De l'encens. Typiquement thaïlandais, non? Attends, mais il y a une bougie, il n'y avait pas. Il faut l'enlever. On a acheté un bougeoir à encens. Un bougeoir à encens, ils utilisent beaucoup d'encens. On est malins, nous. Malin. 3, 2, 1. Ah, là, d'accord, là, on valide la bombe. Hein. Ah, merde! J'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. Et bah, maintenant, on peut laisser la couler douce en attendant.
Bon, on s'est rejoint à la villa, nous avons terminé les challenges. Maintenant, on va donc se dire qui a fait quoi. Bien sûr, pas de problème. Alors, il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire, on va être honnête, hein. Impossible. Oui. Comme genre manger la mangue, on n'a pas trouvé. Attends, mais spoil pas, on va faire étape par étape. Première chose, prendre une photo avec un Thaïlandais. Oui. Oui. S'il a demandé à la meuf de la villa, je pleure. Jamais on aurait fait ça, les gars. C'est ça. On a dit que la meuf de la villa, ça comptait pas, en fait. Hein. Personne n'a dit non. Ça. Et d'ailleurs, hop. Bon, c'est pas grave, je vous le compte. Merci, Emma. Ah, nous, après, en attendant, nous on a fait des super belles photos avec un monsieur absolument adorable. Enterré dans le sable. Ouais. Très bien, 2 points pour tout le monde. La photo avec Bouddha. Et ça, ça n'a pas été facile, on l'a fait un peu à l'arrache parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, voici notre photo. Non. C'est une télé en fait. Je te le validerai pas parce que cette photo elle est sur internet. Donc il faut te faire foutre. Franchement, il était trop bien notre plan. Bah, acheter un souvenir. Un petit bougeoir en sang. C'est trop mignon. Bah, manger un Kao Nao Mamou. Bon, ça on n'a pas fait. Bah, vous avez vraiment pas cherché longtemps, je pense. C'est juste à côté de la maison. Juste en face, hein. Quoi? Mais on a fait tout le long. Et la bombe. La bombe, je l'avais, tu l'as vu. Alors, après délibération, l'équipe de Sora et de Dooms. Les nulos, comme on les appelle. Non. Vous avez donc 11 points. J'ai pas mal déjà en vrai. Pardon, 9 points. Non, t'as dit 11. Je suis désolé. C'est trop tard, t'as dit 11. Et du coup, notre équipe, on a 14 points. Wouh. Let's go. Applaudissez. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à me dire si ce genre de petit concept où je vous emmène voyager avec moi, ça vous plaît. Parce que j'ai plein d'autres idées pour vous emmener voyager avec nous. En tout cas, gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut. Maintenant, on va remettre ça dans la chambre où on l'a pris. Allez hop, c'est parti. C'est vrai ou pas? Ah ouais, bien sûr. Hey, ils se sont foutus de ma gueule. Ils ont pas du tout acheté de souvenirs. Je trouvais ça bizarre aussi. Bon, en tout cas, bisous. Oh, salut mademoiselle. Oh, le coup de foudre.